Que vous soyez fan de mode ou non, il est toujours intéressant de voir comment des objets ordinaires cachent une histoire extraordinaire. Voici un top 10 des articles de mode qui ont changé le monde. Croyez-moi, vous ne verrez plus vos vêtements de la même façon. Je suis encore choqué par le numéro 2. Salut les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Numéro 10, le soutien-gorge. Vous vous en doutez bien, les modèles de soutien-gorge actuels n'ont plus rien à voir avec ceux qui ont été portés pour la première fois il y a plus d'un siècle. Auparavant, les femmes soutenaient leur sein avec des bandes de tissu. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que les soutiens-gorge remplacèrent le corset et devinrent de vrais accessoires de mode. Numéro 9, les blousons en cuir. Symbole de liberté et de l'esprit rock, les blousons en cuir sont des articles de mode qui ont changé le monde. À la base, les premiers blousons ont été conçus pour les soldats, pilotes de la Première Guerre mondiale. Ils ont été choisis car ils tenaient chaud et étaient très résistants. Ils ont ensuite été portés par des stars du rock, tels qu'Elvis Presley. Numéro 8, le talon. Les talons pour femmes ont littéralement révolutionné le monde de la mode. À la base, les talons étaient réservés aux hommes nobles, pour les faire paraître plus grands et pour les empêcher de glisser lorsqu'ils montaient à cheval. Le talon tel qu'on le connaît a dû attendre le XXe siècle pour être porté par les femmes et est devenu un phénomène de mode. Numéro 7, les jeans. Saviez-vous qu'à l'origine, les jeans étaient des vêtements de travail? Ils datent des années 1870. Ils étaient utilisés par les cow-boys et les ouvriers. L'utilisation du jean s'est petit à petit répandue dans le monde entier, puis a été accessible aux femmes. D'ailleurs, une loi de 1800, et qui interdisait aux femmes de porter le pantalon, a été supprimée en 2013 seulement. Alors, vous êtes plus étonné par cette histoire ou par celle des talons pour hommes? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 6, le bikini. Le bikini a véritablement changé le monde de la mode. Le premier bikini en France a été présenté en 1946 par le créateur Louis Réard. Les gens de l'époque ont crié au scandale et ont critiqué l'aspect trop sensuel et dénudé de ce type de maillot de bain. Aujourd'hui, impossible d'aller à la plage sans en voir. Numéro 5, les imperméables Macintosh. L'invention de l'imperméable a changé en profondeur l'univers de la mode. Au début des années 1820, le chimiste Charles Macintosh a renversé, sans le vouloir, un mélange de caoutchouc fondu sur sa veste. Il comprit rapidement que le tissu était devenu imperméable. Il commercialisa le premier imperméable Macintosh en 1824 avec le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Numéro 4, les collants en nylon. Avant l'invention des collants en nylon, les femmes devaient porter des collants en laine ou en soie en dessous de leur jupe. La laine était très inconfortable et la soie cassait rapidement. Les collants en nylon ont résolu ce problème et sont aujourd'hui portés par des femmes du monde entier. On en trouve de toutes les couleurs et de toutes les formes. Numéro 3, la mini-jupe. La mini-jupe est aujourd'hui devenue un phénomène mondial. La mini-jupe a été inventée par Mary Quant, une londonienne qui a commencé à en vendre dans sa boutique. Évidemment, tout le monde criait au scandale, puisque les mini-jupes étaient considérées comme trop sexy. Ça, c'était avant qu'elles soient portées par Jackie Kennedy
entre autres. Alors, quelle histoire vous préférez? L'histoire de la mini-jupe ou celle des collants en nylon? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 2, la petite robe noire. Impossible de faire un top des 10 articles de mode qui ont changé le monde sans parler de la petite robe noire. Celle-ci fut popularisée par Gabrielle Chanel dans les années 1926. La créatrice a ainsi créé un véritable phénomène. En effet, la petite robe noire est toujours à la mode et un parfum porte même son nom. Numéro 1, les valises Louis Vuitton. On termine ce top des articles qui ont changé l'histoire de la mode avec une incroyable invention. Louis Vuitton a été l'un des premiers à commercialiser des valises au bord droit et non pas arrondi. Ces valises marron sont aujourd'hui devenues iconiques et sont beaucoup plus que de simples accessoires de voyage. Elles sont aujourd'hui représentatives d'un certain statut social. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer pour en voir une autre. N'oubliez pas également de partager la vidéo, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo.